De retour au plus haut niveau du rugby hexagonal après une pige en Pro D2, Bayonne a surpris les observateurs la saison dernière. Mené par l'expérimenté Camille Lopez, qui a réalisé un grand championnat, les Basques ont lutté jusqu'au bout pour participer aux phases finales du top 14. Il a finalement manqué quelques points à Bayonne qui a terminé au 8e rang du championnat de France de rugby, alors que le club était plutôt attendu dans la lutte pour le maintien. Cependant, cette 8e place permet à l'aviron bayonnais de participer à la Champions Cup cette année. Pour confirmer, Éric Auguste et ses hommes vont pouvoir compter sur l'arrivée d'Arthur Ituria, ancien capitaine de Clermont. Pour cette première journée de top 14, Bayonne accueille le Stade Toulousain. Champion en titre, le Stade Toulousain est emmené par un Antoine Dupont et de nombreux joueurs internationaux. Ils ont néanmoins été stoppés net en demi-finale de Champions Cup la saison dernière. Coup dur pour la Vierge Rouge mais également pour les Bleus, le club va devoir se passer de Romain Ntamack, touché au genou et absent 4 mois. Le joueur va également rater la Coupe du Monde qui arrive d'ici quelques semaines. Le match d'ouverture du top 14 entre Bayonne et Toulouse se déroule ce vendredi 18 août. Le coup d'envoi de Bayonne, Toulouse est prévu à 21h05 au stade Jean Daugé. Pour suivre Bayonne, Toulouse en direct, rendez-vous sur la chaîne TV Canal Plus qui retransmet le match en exclusivité. Disponible sur abonnement, Canal Plus est accessible sur tous vos écrans. L'abonnement à Canal Plus vous permet de suivre l'intégralité du top 14 tout au long de la saison, mais également d'autres compétitions comme la Ligue 1, la Première Ligue, la Champions League ou encore les championnats du monde de sport mécanique.